Parce que à chaque fois, c'est quelque chose qui va arriver de façon inattendue dans ta vie, mais à chaque fois, il y a une ombre au tableau. Et qu'à chaque fois, tu vas te dire, pourtant, je suis sûr à 1000% que les hommes ou les femmes qui arrivent dans ma vie sont amoureux de moi. Mais à chaque fois, il y a quelque chose, une ombre au tableau. Tu vois, et que pourtant ma parole, il n'y a pas de raison que ça marche pas, et à chaque fois ça va foirer. Et qu'à un moment donné, tu vas commencer vraiment à voir, comment te dire, le mal partout. Hein. Tu vas même te poser des questions, si lui, par exemple, je sais pas, et derrière ton dos, c'est pas tapé quelqu'un de ta famille. Après, tu vas commencer et tu vas chercher, 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 chercher. Et à force. Ah ouais, pour moi, ouais. Et que moi. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression que tu vas te dire. Ou alors, il s'est mis avec quelqu'un d'autre que moi et il veut pas me le dire. Après, tu vas chercher aussi de ton côté. Tu vas te dire, à moins que à chaque fois, derrière mon dos, il y a quelqu'un qui me pique mon mec ou ma nana. Mais bon, moi, de toute façon, peu importe, moi, je te vois au final en couple avec un homme. Et que si, peu importe, hein, mais il y a un truc. Moi, je te dis, il y a un truc. Et au final. Ça finit par des séparations avec l'homme de ton cœur. Alors, on a pu déjà te le faire au passé, mais moi je te dis, c'est cette impression qu'il y a quelqu'un de proche de toi à chaque fois qu'on te pique ton mec sans que tu le saches. Et pourtant, à mon avis, le cœur est sur toi. Je le sens très très fort. Hein. Et que. Et pourtant, de base, on tombe amoureux de toi. Et pas quelqu'un de ta famille ou un ami ou non. Je te le dis, j'en suis persuadé. Hein. Ouais. Et ça, à mon avis, ça fait très longtemps que c'est ce genre de cinéma qui se passe autour de toi. Et ça, c'est pas possible. Hein. Je te dis, il y a un réel problème à chaque fois qu'un mec tombe amoureux de toi. Ah, écoute, moi...